Attention, char donné. Char donné. On voit pas la fin de la blague. Salut tout le monde, c'est On n'y connaît rien, je suis ravi de vous retrouver aussi nombreux. Et alors aujourd'hui, bah écoutez, je vous la fais à l'envers. Je viens de vivre la dégustation, il y avait Alex et il y avait Julien Frappa, vous savez, notre ami vigneron de l'Oiseau de Passage. Je vous invite à découvrir, super pinard du Beaujolais. Et je leur ai fait goûter, une fois n'est pas coutume, la Roussanne de Régis Descôtes 2019. Alex, je sais pas si vous vous souvenez, il s'était planté avec Julie dans le train, il l'avait pris pour un chardonnay. Eh bien, écoutez, ils ont failli se tromper, ils se sont un peu trompés, ils sont... Bon, je vous dis pas tout, mais je vous jure que c'était un bon moment. Voilà, allez, je vous laisse découvrir, ciao. Qu'est-ce que c'est opulent? Qu'est-ce que c'est gras? Qu'est-ce que c'est chardonnay, Mathieu? Et voilà, c'est comme ça qu'on démarre. Et là, il y a Julien avec nous. Salut Julien. Salut. Il y a un petit truc qui me... Enfin, c'est... Ouais, pas, ça sent le piège, ça sent le piège. Il veut nous amener sur un chardonnay. Salut. Il veut nous amener en Bourgogne. Et nous a piégés. Il y a une loi qui m'aura pas, Mathieu. Tu pas? Non. Est-ce que ça serait pas un petit Saint-Jean ou Saint-Marsal? Bah moi, je suis assez parti sur Marsal. Je pense que c'est du... Qu'est-ce que tu dis, Julien? Moi, je pars sur Saint-Péret, Roussanne-Marsanne. Saint-Péret, Roussanne-Marsanne et Alex. Au bluff. Non, mais attends. Vous y allez fort, là. Tac, direct un assemblage Roussanne-Marsanne. J'ai goûté un Saint-Joseph blanc ce week-end. Bon, après, c'est... Voilà. Mais c'était un peu plus minéral que ça, quand même. Ouais. Mais est-ce que ça serait pas, parce que Mathieu, il adore la Roussanne aussi de... Ouais, ben c'est pour ça. Moi, la Roussanne, notamment la Roussanne de chez Descôtes, mais on l'a déjà filmé trois fois, il va pas nous la remettre une quatrième fois quand même. On va filmer trois fois? Voilà, je me souviens d'une fois dans le train. Ouais, ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en parle. Et il l'avait pris pour un Bourgogne, effectivement, on l'avait bien eu, mais c'est une fois, ouais, on l'avait filmé une fois. Je t'aurais remis la Roussanne de chez Descôtes. Ouais, un chardeau d'avait du Rhône. C'est possible ça? Il n'y a pas de chardon, ouais. Si, il y en a plein. Bah, sûrement qu'il y en a qui peuvent s'amuser. Mais pas en... Mais genre... Ah, ça fait pas vin de quelqu'un qui s'amuse. Tu vois, ça fait pas vin fou. Un gigondas blanc, quoi, tu vois. Un gigondas blanc. Ouais, c'est pas le gigonda. Non, mais non, parce que je sais que... Non, c'était Vaccaras blanc ou gigondas blanc? Non, j'étais heureux de t'entendre dire gigonda. En tout cas, pour moi, c'est Marsanne Roussanne à la limite, tu vois. Mais moi j'ai besoin de me resservir un petit après, peu. Faut pas aller plus bas non plus. Après ça peut être un chardonnay. Bah, franchement les chardonnays du Beaujolais, des fois ils peuvent avoir ce côté. Ouais, sudiste, quoi. Enfin, alors ça c'est le vigneron du Beaujolais qui parle. Ouais, là, forcément ouais. Il parle de ce qu'il connaît. Mais oui, après on se raccroche plus à ce qu'on connaît. Mais franchement, avant que tu dises chardonnay, moi j'étais plutôt parti Vallée du Rhône, Saint-Péret, par là quoi. Moi je vois pas la Bourgogne quand même. Et, ça sent le chardonnay, puis en fait, non, ce n'est pas. C'est ce n'est pas. Ça pourrait être un chardonnay. Hein. Il nous a sorti un vieux chasselet qu'il avait, un chasselet blanc qu'il avait dans sa cave. Ça peut complètement. Mais je le vois encore presque plus rond encore, plus chaleureux encore. Tu vois, plus... Par contre, c'est hyper rond, c'est très soleil, c'est opulent. De la sardine, j'ai mangé de la sardine, moi. Pour... Allez, je vais vous dire, les gars, c'est un monocépage. C'est un monocépage. Donc c'est, ouais, c'est voilà, soit 100% Roussanne, soit Chardonnay. Allez, faut Chardonnay du Beaujolais? Bah, attends. Moi, sur cette vidéo, je serais d'accord avec Julien. Je veux qu'il y ait une victoire commune ou une défaite ensemble. Ok, ça marche. Même si je pense qu'il y a une connerie, je le suivrai. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut se matcher. Enfin, franchement, si Roussanne, c'est bien, c'est... ça peut totalement être Roussanne ou Chardonnay. Ouais, non, moi, je suis d'accord, ça fait une seule chance. C'est vrai j'ai envie de la jouer JO. On a une équipe, l'équipe de France. On se met d'accord. S'il y en a nous deux qui gagnent, on partage un peu, tu vois le truc. Ouais, mais la victoire est belle aussi. Vas-y. Belle. Allez, les amis, c'est quoi? Attends. Du coup, tu veux qu'on dise Chardonnay? Putain, ouais, allez, moi j'ai envie de dire Chardonnay. Chardonnay, Beaujolais. Bah, du coup, on va jusqu'à Chasselet alors. Ouais. Un Chasselet, putain, un vieux Chasselet. Ouais, le plus rond que ça, c'était Chasselet. Oui, mais c'était les 2000. Un Subrin, peut-être. Ils nous auraient pas remis une Roussanne quand même. Putain, c'est quand même. Putain, le Chardonnay, la Roussanne, normalement, on voit la différence, nom de Dieu, quoi. Nom de Dieu! Mais pourquoi on hésite comme ça? Alors on est chez Chasselet ou pas chez Chasselet? Il y a du bois. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'acidité, il y a un peu de bois. Peut-être que Chasselet, il y a moins de bois que ça quand même. Hein. Donc c'est pas chez Chasselet. C'est moins. Bah, c'est, je dis ça, je me suis dit. Si, ils en ont un qui est un peu boisé quand même.
Moi, je partirais. Non, franchement, c'est hyper dur. C'est franchement hyper dur. Et en plus, ça se trouve, on est super loin. Je repars sur Saint-Péret. Mais du coup, après, Saint-Péret, c'est des assemblées. L'équipe de France. Ouais, j'ai dit que c'était un monocépale. C'était Marseille. C'est vrai que la vallée du Rhône, c'est souvent des assemblages quand même. C'est rarement des 100% roussables. Si, non. Ouais, il fait si. Régis Descôtes, dans les coteaux du Lyonnais, il fait un 100% roussane. Ouais. On aime beaucoup. Lyonnais, mais en. Mais il y a plein dans sa pierre. En Vallée du Rhône, ouais, c'est plutôt rassemblé. Allez, Beaujolais Blanc. Mouillé, là. Allez, Beaujolais Blanc. Beaujolais Chardonnay. Blanc. Alors, Chardonnay. Attends, tu sais quoi? On garde le Chardonnay. Ouais. Mais je me décale légèrement. Ouais. Genre Saint-Véran, tu vois, les parties sudistes un peu du Mâconnais, où ça peut être aussi comme ça. Ok, alors, donc toi, tu restes en Saint-Véran, moi, je vais rester en Beaujolais. Mais comme ça, on est Chardonnay, d'accord. Chardonnay. C'est parti. Attends, je change. Ah non. L'équipe de France. Il y a six chiens dans l'équipe de France. Moi, je pars sur une Roussanne 100%. On n'a rien à faire. Mais tu vois, tu voulais faire avec moi et toi. Allez, Chardonnay. Chardonnay. Allez. Il arrive pas à se dessiner. Et Chardonnay. Allez, ça marche. Allez, on l'ouvre. Chardonnay. C'est parti. Allez, c'est parti. Chardonnay et. C'est parti. Roussanne. J'avais tout. T'as tourné autour J'ai voulu être avec mon équipe de France, mais vous savez ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, je ne reviendrai pas. Bien sûr, c'est une Roussanne. C'est un comeback de Régis Descôtes. Et tu l'as toujours pas, la Roussanne, Alex. Tu l'as toujours pas. Je l'avais. Non, Alex. Non, mais par déduction, je lui dis, mais t'as pas de remettre une Roussanne. Alex, je te la remettrai jusqu'à ce que tu la trouves. Je promets que peut-être que vous la verrez 20 fois cette vidéo et qu'il échouera à chaque fois.